Yo la fois, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec équipe Bomba TV depuis Bomba de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi a nous parler vite au côté secrétaire d'État jeunesse PIA, Charles Jacquelin qui va le dernier détail sur différents mesures à prendre pour aider les jeunes dans la population. Mais avant de nous faire ça, équipe Bomba TV a voulu remercier tout le monde qui toujours branché Bomba TV pour information PIA. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui ton commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici dans Bomba de Police, équipe Bomba TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier abonner avec Bomba TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Bomba TV. Eh bien, nous pas perdre du temps, nous allons dérouler avec information yo. En nous, secrétaire d'État jeunesse PIA, Charles Jacquelin, qui te gagne avec lui, doyen tribunal première instance pour le prince, M. Bernard Saint-Ville, commissaire gouvernement AI pour le prince, M. Jacques Lafontaine, et puis président réseau national magistrat haïtien, Ikenson Edume, ak plusieurs autres personnalités qui défendent droit moun, visite ce petit monde qui n'a en contravention avec la loi mercredi 22 avril. Objectif visite ça, c'est pour garder comment ti moun yo a vivre dans semi-école. Dans l'occasion ça, secrétaire d'État jeunesse là, remettre qui des génique à cacher ba responsable pour mineur yo, dans façon pour capable aider ces jeunes ça yo faire prévention maladie ya. C'est information ça nous porter pour nous pas perdre temps, n'a commencé coulier ya. Notre priorité c'est la jeunesse. Et jeunesse qui priorité nous, hein, c'est pas jeunesse universitaire là, c'est pas jeunesse qui aisée là. Ce n'est pas la jeunesse qui compte l'IA seulement, parce que nous-mêmes nous croyons que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique. Il n'y a pas une seule jeunesse. Donc il y a plusieurs subdivisions en deux catégories. Ça. Et dans ce sens, par nous, on a essayé de regarder qui jeunes sont capables de travailler à chaque dans sphère par eux. Nous autres au niveau du gouvernement, puisque la jeunesse est une priorité fondamentale pour nous, nous sommes obligés d'accompagner et porter les matériels nécessaires, ne serait-ce que symboliquement, dans tous les pays du monde côté, moun kwen nan valeur, moun kwen nan ressources humaines, l'on moun entre dans la prison, la ville va finir. Et en particulier les jeunes. Donc moi crois que je dis qu'il y a des réflexions profondes que nous avons fait pour que l'on jeune rentre dans la prison, ou bien je dis à la prison en son terme propre, mais l'on jeune rentre dans le milieu carcéral là, s'il a passé plus que 12 mois, au moins qu'à sortir avec un métier dans le même. N'importe quel type de métier, tant manuel ou peut-être intellectuel, suivant le cas. Donc, ça a aussi des travail qui m'a demandé de profondes réflexions. Notre bataille aujourd'hui contre COVID-19, oui, mais la République ne s'arrête pas. Donc, cela dit, il y a un ensemble de réflexions structurelles qui doivent aller au-delà de la conjoncture que nous-mêmes avons continué à faire. La justice élève une nation. Le pays qui n'a pas justice, son pays qui n'a pas marché. Et moi, très content de la présence de représentants de la société civile qui l'a, justement pour nous assurer nous que Jean Sotil Taler, ça qu'a fait la bagarre Ngola Meladen, l'a fait selon les règles de l'art, l'a fait en respectant les principes établis. Nous avons d'abord fait un premier travail qui était payant et satisfaisant, dans le sens que nous avons libéré suite à Abeyas Corpus qui a été intenté et par IMED, et que nous avons passé le dossier ça au pays fin. Elle est arrivée libérer 11 mineurs, dont les dossiers, pas vrai, dont l'infraction mise à leur charge, ne pas tout à fait gros infraction. C'est pour elle délibérer. Il a annoncé que nous allons mettre tout en œuvre pour mettre le dossier en état, dans une session spéciale nous pour nous faire, et nous avons entré l'autre dossier dans bien pour nous ensemble avec l'inspecteur Molière. Et puis, dans le 19 mars 2021, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire. C'est ça qui fait noter, entendons avec l'administration pénitentiaire pour nous dire, étant donné que COVID-19 n'est pas présent dans la prison, il faut que nous fassions tout ça nous connaît pour ne pas arriver dans la prison. Nous prenons un ensemble de mesures tout pour nous favoriser tout le monde qui a reproché des délits mineurs pour nous faire sortir. C'est ça qui fait IMED, Institut Mobile d'Éducation Démocratique, qui a tenté un recours en habeas corpus en faveur de Timonio. Et nous avons gardé toute vision en deux catégories. Et dans ce sens, par nous, on a essayé de regarder qui jeunes sont capables de travailler à chaque dans ça fait des mineurs, nous te permettre de retourner à jeunes parents. Et gagner tout tes mérités et placements, nous avons agi avec Juvio, nous avons placé dans des foyers. C'est ça fait maintenant. Dans la même perspective là, de conseil avec le secrétaire d'État Renama, avec Parker de Port-au-Prince, nous venons là pour nous garder dans quelles conditions Timon yo yé, pour nous garder qui suivi nous sommes capables de faire dans le dossier. Dans la sensibilité pour la question
justice pour mineurs pour combattre la détention préventive prolongée. Donc le paquet de Port-au-Prince, le tribunal de première instance se fait le devoir pour le penser avec Timonio, surtout dans le cadre COVID-19. Pour cela, le secrétaire d'État a apporté quelques matériels pour nous, de façon pour nous capables de faire prévention. Dans le tribunal de première instance, et le commissaire du gouvernement doyen de Port-au-Prince déjà agit déjà dans le cadre de détention préventive prolongée et prévention contre COVID-19, il a dans la guerre libéré 11 timons. Dans 11 timons, il y a 6 qui ont une libération qui dans semi-corps. Mais il y a 5 qui étaient déjà adultes, qui étaient de l'autre côté qui ont joué une libération. OPC était déjà tiré son d'alarme pour que dans le contexte COVID-19, la pandémie, ça, il faut gagner une prise en charge qui fait par rapport à la population carcérale. Parce que en pile mesure sanitaire à prendre pour les gens qui sont en liberté, yo, mais les gens qui sont incarcérés, OPC était très préoccupé de par la situation. Ça. Dans ce sens, OPC est sorti de notes côté de l'adresse des recommandations et nous très contents que l'autorité au plus haut niveau prenne de l'initiative et matin, espace de concertation, ça a expliqué une synergie, non seulement de la part de l'autorité judiciaire qui est présente, donc il y a un secrétaire d'État, mais surtout il y a une implication en association, en organisation de la société civile qui a observé des marches. L'initiative, ça, c'est une initiative qui prend et en collaboration avec RENAMA, puisque si nous rappelons bien, 25 mars 2020, et RENAMA a sorti en note côté que il tient à ce que tout le monde cap est sorti de prison dans le cadre et mesures que le gouvernement prend pour décongestionner prison, nous avons exigé à ce que mon passe devant un tribunal. Puisque et le principe dès que on a arrêté, eh bien, principe fondamental là, faut qu'on juge eh bien, qui tranche sous sol et c'est à partir d'une audience pour que l'équité espace de prison. Donc c'est dans l'optique ça que RENAMA, eh bien, Teshita, de concert avec le doyen, avec le commissaire du gouvernement, avec le secrétaire d'État à la jeunesse pour sport, que lui-même était très préoccupé par la question de tout le monde qui est en prison, et en qualité de représentant de l'exécutif, eh bien, nous travaillons en synergie pour nous voir que comment aujourd'hui nous sommes capables d'arriver à coucher eh bien, avec une visite d'évaluation ça, et en même temps, ouais, comment nous sommes capables. Et permettre à ce que prison soit capable de conditionner, mais selon les règles de l'art. Nous avons joué un rôle observateur, côté nous avons regardé qui gens, monde qui sont en prison, yo, qui meilleure et disposition la justice a supposé prendre pour permettre de congestionner prison. Yo. Mais ça nous dit que faut pendant il y a dégager une politique pour que le décongestionner prison, ça t'apprend comme un élément qui a renforcé la justice, mais s'il fait dans l'illégalité, il est capable d'affaiblir la justice. Et c'est ça que fait. Dans le niveau au CNH, nous saluons l'initiative RENAMA prend lorsque il rentre dans une telle démarche. Et nous pensons que la démarche ça aboutit à un vrai résultat. Côté ça qu'on fait là, ce n'est pas affaibli. L'a affaibli la justice, mais elle l'a fait plutôt pour renforcer la justice. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.